On connaît tous l'expression « avoir un creux dans l'estomac » qui veut simplement dire « j'ai faim ». Mais j'entends parfois « avoir un trou dans l'estomac » et j'étais curieuse de savoir si c'est moi qui étais dans le champ. Alors j'ai googlé « et c'est un ulcère qui forme une plaie profonde dans la paroi de l'estomac ». Là! Ne googlez pas ça, s'il vous plaît. Puis j'espère qu'ils la mettront pas au montage. Hein? L'estomac, dont le mot vient du grec ancien stomakos, qui veut dire gorge-estomac, est l'organe de digestion en forme de poche situé chez les humains entre l'œsophage et l'intestin grêle. Il est situé exactement ici. En moyenne, chez l'adulte, l'estomac mesure 25 cm de long et 10 à 15 cm de large, à peu près la taille des petits chiens fatigants avec un nez enfoncé puis les yeux qui louchent. Il peut contenir jusqu'à 4 litres de nourriture, ce qui n'explique pas pourquoi on se sent si plein après une seule borne à Nanaimo. 4 litres que l'estomac réussit à vider en 4 heures. Sauf si vous avez mangé une poutine au pogo. Là, ça va prendre plus 6 heures. Des antiacides, puis un petit dodo. Quand on a des douleurs persistantes au ventre, le médecin spécialiste qu'on va consulter est le gastro-entérologue. Un mot à 100$ et une facture de 1000$ si on n'est pas au Québec. Gastro pour estomac, entéro pour intestin, log pour spécialiste. Donc, si vous consultez au sujet d'une gastrodynie, dynie pour douleur, donc un mal de ventre, il pourrait vous faire passer une gastroscopie. Scopie pour qui observe, qui examine. La gastroscopie consiste à introduire une caméra dans votre estomac en passant par votre œsophage. C'est un genre de télé-réalité très intime. Voici des mots que les gastro-entérologues connaissent bien. L'aérophagie. Aéro qui veut dire air et phagie qui veut dire manger. Quand on boit ou on mange, une petite quantité d'air entre aussi dans l'estomac, ce qui peut provoquer ballonnement, éruption et borborygme. Toute une série de mots polis pour dire qu'on va... Exactement. Et pour terminer, la très populaire gastro-entérite, IT, qui veut dire inflammation, est une inflammation aiguë des muqueuses de l'estomac et de l'intestin causée par une bactérie ou un virus, connu sous son petit nom, gastro. Très populaire en garderie. Pour ça, il n'y a aucun mot pour vous aider. Restez à la maison, buvez de l'eau et dormez sur un matelas gonflable dans la salle de bain. La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les.